Alors bonjour à tous, donc merci d'être ici et pas derrière, finalement la transition ne se fait pas si mal que ça. Donc merci d'être là pour cette session qui s'annonce passionnante. Nos politiques économiques sont-elles efficaces? Finalement un très beau sujet, sujet d'actualité. Et si je devais faire une seule phrase d'introduction pour ce débat, ce serait de rappeler la règle de Tinbergen qui fut prix Nobel en son temps et qui disait « une politique économique doit avoir un seul objectif ». Voilà, donc notre temps est compté, on a pris un peu de retard, donc je ne vais pas faire une introduction trop longue, si ce n'est vous présenter le prestigieux panel que vous avez devant vous. Donc Jean-Michel Six est chef économiste chez Standard & Poor's, voilà, illustre agence de notation qu'on ne présente plus. Luca Cazzelli est ancienne ministre du gouvernement grec et aujourd'hui préside la Banque nationale de Grèce, qui n'est pas la banque centrale, mais une banque privée. Joe Pourri dirige l'International Initiative for Impact Evaluation. François Mallet, directeur général, notamment en charge des marchés actions chez Kepler Chevreux. Et enfin, Pierre Jacquet, notre membre du Cercle des économistes pour cette session, à qui je donne la parole pour introduire ce débat. Merci, merci beaucoup. Et en effet, merci et félicitations pour être dans cette salle tôt le matin, samedi matin. Qui ne serait pas favorable à l'efficacité des politiques économiques? Si on était plus nombreux, je ferais un sondage et je suis assez convaincu que la quasi-totalité lèverait le doigt. Ça paraît une évidence. Et alors, quand il y a des choses qui rencontrent une telle évidence, on a envie de faire un peu l'avocat du diable. Et donc, je vais poser un certain nombre de questions et mettre en avant trois séries de préoccupations. La première, c'est qu'il y a en effet une montée en puissance depuis les 20 ou 30 dernières années du concept d'efficacité des politiques publiques. Et cela a conduit à mettre en avant l'idée de politiques fondées sur les résultats. En anglais, on dit « evidence-based policies », des résultats démontrés. Mais ce renforcement d'une approche experte pose plusieurs problèmes. Des résultats, qu'est-ce que c'est? Pour qui? Des résultats pour qui? Et on voit bien que les débats actuels dans nos sociétés portent exactement là-dessus. Certains bénéficient des politiques, d'autres n'en bénéficient pas. En moyenne, on peut peut-être montrer que les politiques ont des résultats, mais le problème, c'est que la distribution de ces résultats est un sujet qui est rarement suffisamment abordé. Même type de questionnement, quels sont les arbitrages socialement acceptables ou socialement désirables entre les différents types de résultats, la croissance ou l'environnement, des résultats de long terme ou des résultats de court terme, les générations présentes ou les générations futures, l'enrichissement collectif ou l'appauvrissement de certains. Comment est-ce qu'on fait les arbitrages qui permettent d'élaborer, de mettre en œuvre et de justifier, d'expliquer les politiques publiques? En l'absence de débat explicite sur ces arbitrages, il y a un risque de capture idéologique ou de capture par des intérêts particuliers, bien établis, qui imposent leurs propres arbitrages au nom de l'optimum social. Et pour moi, c'est une des leçons du Brexit, indépendamment de l'aspect Royaume-Uni dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Le débat lui-même, l'existence même de ce débat, montre l'importance de ce type de questionnement. Deuxième série de préoccupations, cette vision des politiques fondées sur des résultats démontrés ou cette notion d'efficacité des politiques publiques repose implicitement sur une vision de la politique comme une sorte de machine un peu automatique, la machine de l'ingénieur, qui transforme des décisions en résultats. Or, la politique, ce n'est pas ça. La mise en œuvre de toute politique publique impose une interaction permanente entre des acteurs qui ont tous des intérêts différents, qui réagissent à des chocs imprévus dans un contexte incertain. Et du coup, on peut se demander à quoi sont dus les résultats. Est-ce que c'est au mécanisme lui-même de transformation des décisions en résultats, ou est-ce que c'est à la capacité managériale de ces différents acteurs, leur capacité à travailler en équipe, à avoir un rôle de leader, à impulser des changements, à réagir de façon efficace aux différents chocs imprévus qui vont affecter l'action? Même si un décideur sait ou apprend qu'une politique qui le tente a échoué 90% du temps dans d'autres pays ou dans d'autres circonstances, il peut être tenté de dire « moi, je suis un bon manager, je vais battre la moyenne ». Et donc la façon dont cette vision des résultats peut influer sur la politique publique passe par la capacité managériale, et ça, c'est assez rarement reconnu.
Troisième série de préoccupations, plutôt une conclusion. Toutes ces remarques ne signifient pas du tout, et ce n'est pas mon objectif, que la recherche de l'efficacité soit inutile ou contre-productive. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pour au moins deux grandes raisons. La première, c'est que c'est un outil formidable pour pouvoir rendre des comptes. Et dans nos débats démocratiques, nous avons besoin que les décideurs rendent des comptes et nous avons besoin d'organiser ce processus par lequel ils vont rendre les comptes. Et puis deuxièmement, le fait de se préoccuper de l'efficacité ex ante, c'est un facteur très important de qualité des politiques publiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'élaborer des qualités publiques sur des idées ou des idéologies, on attend des décideurs qui les expliquent de façon analytique, qui nous expliquent comment ce qu'ils décident peut améliorer tel ou tel type de résultat. Donc c'est quelque chose de fondamental. Mais il ne faudrait pas que cette notion d'efficacité des politiques publiques nous amène vers du déterminisme de la politique publique. Or, on est dans un monde qui est tenté par le déterminisme. On a envie de savoir ce qui va marcher. On a envie qu'on nous dise « telle mesure va produire tel résultat ». Et vous observerez que dans tous les débats, les acteurs de ces débats, les décideurs de politique publique, les experts, nous annoncent le futur. Ils nous disent « le chômage va baisser de tant de points, la croissance sera de tant ». Cette prévision, c'est comme regarder dans une boule de cristal, même quand elle est fondée sur des démarches analytiques tout à fait sérieuses, tout simplement parce que l'avenir est fait de chocs imprévus, l'avenir est fait d'incertitudes, et rien ne peut permettre de contrôler ex ante cette incertitude. Donc il faut garder ça en tête et du coup se rappeler que la politique consiste à prendre des risques de façon raisonnée, d'accéder à la connaissance liée à la façon dont les politiques passées ont pu ou non obtenir des résultats, liés aussi à l'intuition, et un peu comme un manager d'entreprise, il ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est un manager, il prend des risques. La politique publique, c'est aussi ça. La connaissance peut les guider, mais ne peut jamais anéantir ces risques, et donc on se prête à rêver de décideurs de politique publique qui ont à la fois accès à la connaissance et qui, en plus, savent manager, et comme vous le savez, ce n'est pas toujours le cas. Merci. Merci Pierre pour cette introduction. Alors on va essayer de rendre ce débat le plus interactif possible. Et avant même de donner la parole à nos panélistes, je me tourne vers un étudiant qui est là, Martin-Pierre Charlia, et qui va nous dire ce qu'il attend de cette discussion et de la vaste question que nous nous posons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Pour les économistes, nous sommes des agents économiques rationnels. Nous sommes des consommateurs, nous sommes des épargnants. Nous sommes des salariés, mais nous sommes avant tout des citoyens. Et l'histoire a montré que nous étions capables, avec nos pairs, de prendre des décisions qui, d'un strict point de vue économique, peuvent paraître irrationnelles. Je pense bien sûr au Brexit. Pour vous dire alors ce que j'attends de cette discussion, je voudrais d'abord vous inviter à une expérience. Quittez vos habits d'experts, de décideurs publics, de fonctionnaires, d'économistes. Et essayez de vous placer non plus du point de vue de ceux qui pensent ou qui font les politiques publiques, mais de ceux qui en vivent les effets quotidiennement. Oubliez la machinerie, oubliez la technique, et regardez l'économie avec des yeux neufs. Alors à chacun d'entre vous, ma question est très simple. Qu'est-ce qu'une politique économique efficace du point de vue du citoyen ? Comment, en amont, peut-on convaincre les citoyens du bien fondé des politiques économiques ? Comment, en aval, peut-on montrer les résultats tangibles de ces politiques ? Comment lui donner la possibilité de participer, d'évaluer, de proposer, de s'engager ? En d'autres termes, comment peut-on aujourd'hui expliquer aux jeunes chômeurs grecs, aux jeunes décrocheurs français, que la politique économique peut faire quelque chose pour lui ? Comment expliquer aux maraîchers espagnols ou aux salariés gallois que l'Europe est une bonne chose pour lui ? Autant de questions et bien d'autres sur lesquels nous attendons aujourd'hui votre éclairage. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Vous dites que votre question est simple. Elle illustre au contraire toute la complexité de ce sujet. On en a bien le sentiment. Alors, le premier aspect sur lequel, effectivement, on peut se pencher, et je me tourne pour cela vers François Mallet et Jean-Michel Six, est celui de l'efficacité d'une politique économique. Pour qui et pourquoi un pays met-il en œuvre une politique économique ? Et finalement, quel est le but à atteindre ? Jean-Michel. Merci Marie, bonjour à tous. Effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir dire dans ce panel,
et en particulier sur la définition de ce qu'est une politique économique efficace et quel peut être le rôle des économistes dans l'élaboration de cette politique, m'est venu à l'esprit, en mémoire, cette citation qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, de Deng Xiaoping, qui disait, en juillet 1962, la date est importante, qui disait, vous vous en souvenez, « Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, pour tant qu'il attrape les souris ». Alors, il dit ça à un moment important, 1962. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Chine se remet lentement de la politique du grand bond en avant qui a été mise en œuvre dans les années 50, qui est une politique avec un seul objectif, un objectif pour tout le pays, qui est rattraper la production industrielle britannique et la dépasser. Donc, transformer en particulier les campagnes en hauts fourneaux, abandonner une partie de la production agricole et devenir une grande puissance industrielle en quelques années. Comme vous le savez, la politique du grand bond en avant a été un désastre effroyable, avec des millions de morts, une famine absolument épouvantable. Et c'est en fait à la suite de ça, lors de cette conférence, que Deng Xiaoping parle de son chat et des souris. Et je trouve que dans cette citation amusante, dans un sens, comme souvent dans les métaphores chinoises, en même temps, ça illustre bien tout le problème. C'est-à-dire, qui est le chat, concrètement, dans la politique, dans la vraie vie, si je puis dire, et qui sont les souris? Et alors, quand on prend cette citation de 1962 et qu'on prend la Chine aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, une politique économique volontariste peut permettre à un pays de devenir, en l'espace de 25 ans, la deuxième puissance économique mondiale. Souvenez-vous, quand cette phrase est prononcée, c'est juste avant le début de la révolution culturelle, la Chine est un pays dans une extrême pauvreté et va rester dans une extrême pauvreté jusqu'au début des années 80, pratiquement, jusqu'à la mort de Mao. Donc, là, on voit, et c'est, je trouve que l'exemple chinois de ce point de vue-là, tout au moins, ce que je propose, c'est de reconnaître que c'est l'illustration de ce que peut faire une politique économique bien menée, à mener effectivement à attraper un grand nombre de souris, à savoir élever le niveau de vie de la population jusqu'à devenir effectivement la deuxième puissance mondiale, alors qu'on est 30 ans plus tôt l'un des pays les plus pauvres du monde, et sans grand espoir pour la population de voir son avenir s'éclaircir. Années 80, années 90, c'est la période de la montée en puissance de la Chine, très très rapide. C'est aussi, dans le même temps, la période de déclin de l'Union soviétique et de la disparition de l'Union soviétique, l'autre grand modèle. Alors aujourd'hui, tout ceci nous paraît acquis, complètement acquis. L'Union soviétique a disparu, la Chine a émergé comme la grande puissance du 21e siècle. Ça n'était absolument pas joué en 1980, quand Deng Xiaoping, qui a entre-temps été purgé plusieurs fois, qui a été envoyé à la campagne, etc., arrive à reprendre le pouvoir. Vous savez qu'il n'a jamais eu, c'est une anecdote, mais que je trouve tout à fait ravissante, il n'a jamais eu aucun titre officiel, si ce n'est d'être secrétaire national de la Fédération chinoise de bridge. Donc, ça montre aussi une certaine modestie. Ce parallèle entre, d'un côté, une politique économique en URSS qui mène à un désastre et à l'éclatement d'un empire, et de l'autre, une politique économique extrêmement volontaire qui permet effectivement l'émergence d'une grande puissance. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, finalement, cette politique ? Comment est-ce qu'on peut définir cette politique chinoise telle qu'elle a été mise en œuvre sous l'égide, et ensuite d'autres, mais sous l'égide de Deng ? Ben, je crois qu'en fait, très simplement, ce qu'il s'est contenté de faire, mais qui a été extrêmement difficile, évidemment, à mettre en œuvre dans un pays qui n'avait pas du tout cette tradition-là, sortant de 30 ans de communisme, c'est l'État définit les règles du jeu et responsabilise les acteurs qui vont, chacun en fonction de ses propres intérêts, permettre le développement de l'économie. Autrement dit, à l'inverse de la politique du grand bond en avant, à l'inverse de la politique soviétique, la politique chinoise qui est mise en œuvre, c'est une politique qui permet, qui, comme on dit en anglais, « set the stage », c'est-à-dire, en fait, permet aux différents acteurs d'exercer
leurs propres activités d'une façon de plus en plus libre. Alors en même temps, on voit bien aujourd'hui que cette politique économique très volontariste et quand même très successful, il faut le reconnaître, se heurte à deux grands obstacles qui montrent les limites, qui montrent ses limites. Le premier, c'est évidemment l'environnement. Le défi environnemental, pour quiconque est allé en Chine ou a simplement même vu des photos, on voit bien que c'est vraiment l'immense défi de la Chine aujourd'hui. C'est une pollution absolument dramatique, une urbanisation forcenée qui pose énormément de problèmes sur le plan de la santé publique et sur le plan du bien-être des gens en général. Ça, c'est le premier grand défi auquel, à l'évidence, la politique économique telle qu'elle a été conçue depuis 20 ans n'a pas de réponse immédiate. Et puis le deuxième grand défi, c'est évidemment le développement des inégalités et de la corruption, mais surtout des inégalités qui, maintenant, menacent le modèle social chinois lui-même. Comment vont-ils répondre à ce nouveau défi? Je pense qu'on peut espérer que, de la même façon qu'ils ont, dans les années 80, permis l'émergence d'une grande puissance économique, donc montrant par là même ce que peut être une politique économique efficace. Encore une fois, c'est là-dessus que je voudrais insister. Il y a des politiques économiques efficaces. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, on est parfois un peu, sceptique face aux politiques économiques. Il y a des politiques économiques qui peuvent amener des résultats tangibles. Mais en même temps, c'est un phénomène un peu dialectique. Cette politique économique doit être à un moment donné complètement remise en cause et permettre l'émergence de nouveaux acteurs qui vont peut-être résoudre mieux les grands défis qui apparaissent, comme le défi environnemental. En tout cas, ce n'est pas le gouvernement, cette fois, qui aura directement les moyens, même s'il change un certain nombre de règles du jeu, de résoudre ces défis. Et pour terminer, je voudrais dire une chose, c'est quel peut être le rôle des économistes dans l'élaboration de ces politiques économiques. Ils ont eu un rôle incontestable en Chine et ailleurs dans les 20 dernières années. Et j'ai compulsé un peu le livre que je vous recommande, qui est vraiment très, très intéressant, même s'il est un peu long, de Jean Tirole, qui s'appelle « L'économie du bien commun », qui est un très beau titre, hein, by the way, parce que « bien commun », c'est intéressant à définir, ce n'est pas évident. Et dans ce livre, il cite un poète, un poème grec, et... donc, ça, on va rester dans les métaphores animalières, vous allez voir, mais bon, ben, c'est... il y a un poème grec qui commence en disant « Le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson connaît une grande chose. » Et alors après, il explique qu'il y a des économistes renards et qu'il y a des économistes hérissons. Alors le prototype ou l'épitome de l'économiste hérisson, c'est Karl Marx ou Milton Friedman, c'est-à-dire un économiste, un théoricien qui a un modèle en tête avec lequel il va tout expliquer et dont il va se servir pour tout faire. Donc c'est la grande chose, il a une grande idée, et cette grande idée, il va essayer de l'appliquer de façon systématique pour tous les problèmes qui se présentent. L'autre modèle, c'est l'économiste renard, qui est beaucoup plus pragmatique. Il sait beaucoup de choses, peut-être aucune vraiment à fond, mais par contre, il est quand même il est à la fois très éclectique et il a beaucoup de cordes à son arc, on va dire. Alors, comme le note Jean Tirole d'ailleurs de façon amusante, et je dis ça pour Marie, c'est qu'il note que dans les médias, les économistes hérissons sont très populaires parce qu'ils présentent à chaque fois une vue bien carrée, assez facile à comprendre. Et à l'inverse, les économistes renards ne sont pas très, très faciles et pas très populaires dans les médias parce qu'ils n'arrêtent pas de dire d'un côté, mais de l'autre, d'une certaine façon, toutefois, etc. Et évidemment, c'est un peu trop compliqué. Il faut arriver à écrire l'article après, etc. Il faut réfléchir à ce qu'il a dit et tout ça. Bon, enfin. Donc c'est moins facile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement souhaiter qu'il y ait beaucoup d'économistes renards et très peu d'économistes hérissons. Parce que dans les débats et les défis qui se présentent à nous, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays développés, on va avoir besoin de nouvelles solutions, on va avoir besoin, pour que ces politiques économiques restent efficaces, ou le redeviennent, on aura besoin effectivement de beaucoup de pensées EES et de contributions qui nous permettent au total d'élaborer peut-être ensemble ce que peut-être au XXIe siècle, une vraie politique économique. Mais
encore une fois, absolument, c'est fini. Encore une fois, pour terminer, je voudrais insister sur le fait qu'il y a dans l'histoire économique des tas d'exemples relativement récents, dans les 100 dernières années, de politiques économiques qui ont été totalement inefficaces, comme le grand bond en avant, par exemple, et terriblement dramatique pour la population, et des politiques économiques qui ont été, à un moment donné, dans le temps, très efficaces. C'est la politique qui a été menée, par exemple, dans les années 80-90, même si elle a évidemment atteint ses limites. Voilà. Merci Jean-Michel. Je vous promets de penser à l'économiste Renard davantage. Je reste dans la même question, et je me tourne vers François Mallet de manière très concrète. Est-ce que vous pouvez y répondre? Et aussi pour qu'on pense au maraîcher et à l'ouvrier dont nous parlait Martin Pierre tout à l'heure. Et effectivement. Bon, alors moi, je viens des milieux des marchés financiers, on observe beaucoup de choses. Je vais reprendre ce qui a été dit quand même sur le chat, parce que je crois que le chat, il a plusieurs vies. Et quand on regarde les décideurs économiques et qu'on pense entre autres aux banques centrales, parfois on peut se poser des questions sur les différentes vies, les différentes priorités, de même pour les gouvernements, le court terme contre le long terme. Enfin, c'est vrai que finalement, on a du mal à avoir une seule idée, en tous les cas, que cette idée soit claire. Bien sûr, quand on regarde l'objectif aujourd'hui des politiques économiques, c'est la croissance. Le problème, c'est que tout le monde voit la croissance à sa porte. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a parfois le sentiment d'une croissance à court terme, et puis quand même, parfois, heureusement, des projets de croissance à plus long terme. Aujourd'hui, je remarque, une fois de plus, de mon expérience sur les marchés financiers, que quand les banques centrales s'expriment, vous l'avez compris, c'est extrêmement important. Je ne suis pas sûr que le citoyen comprenne toujours le discours qui nous est donné, mais je vous rassure, nous, les supposés spécialistes financiers, pas toujours non plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, indépendamment des idées, et c'est peut-être parfois le côté inquiétant sur ces décideurs économiques, au-delà des idées, c'est la façon dont elles sont communiquées qui est importante. Mais ça, je crois que c'est un point commun aussi avec les gouvernements, qui est que le discours passe mal. Bien sûr, on reviendra sans doute sur le vote du Brexit, mais de toute évidence, le discours a dû être mal passé ou mal compris ou avec des objectifs très différents. Bref, je ne veux pas aujourd'hui tout mélanger, mais quelque part, le discours qui nous est donné par ces fameux décideurs est peut-être un peu compliqué et à chaque communication devient encore plus compliqué. Finalement, pour que le citoyen souscrive à un projet, il faut que ce projet il soit clair, que les objectifs, on n'en est pas 150, que l'on explique pourquoi ces objectifs et à quoi ça aboutit. Finalement, c'est simple, aujourd'hui, on ne parle que de la croissance. Aujourd'hui, l'objectif des banques centrales, l'objectif des gouvernements, c'est de rétablir une croissance plus forte, plus stable et plus équilibrée. Alors, je n'entrerai pas dans le débat de la croissance équilibrée, il y a des définitions en fonction des pays, et je laisse ça aux spécialistes, mais quelque part, c'est de retrouver un environnement qui, effectivement, va favoriser la croissance, mais ça pas simplement le grand mot et les grands chiffres de la croissance du PIB, mais la croissance pour chacun qui, in fine, doit conduire à un effet positif, bien sûr, sur l'emploi et aussi, in fine, et on n'en parle plus, sans doute à réduire les inégalités. C'est un autre débat, mais ces décisions économiques sont importantes, justement, pour aboutir à des conclusions plus positives qu'en tous les cas ce que l'on peut voir aujourd'hui. À court terme, je ne dis pas que les banques centrales font tout et n'importe quoi. Elles essaient de créer un environnement favorable pour ce type de croissance. D'ailleurs, certaines décisions plus récentes ont effectivement été positives. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du secteur bancaire, il est certain que des interventions de banques centrales après ou à la crise au moment de 2008-2009 ont eu des effets positifs. Et heureusement, bien sûr, ce n'est pas forcément perçu au niveau du citoyen, mais heureusement qu'on a sauvé le système bancaire. Là, effectivement, les décisions étaient bonnes. L'abondance de liquidités a aidé, justement, à sauver le système bancaire. En revanche,
On ne comprend pas très bien la décision qui vient derrière en 2011 de relever les taux. Alors, je ne sais pas comment la décision a été prise. On peut se poser la question, effectivement, il fallait peut-être associer plus d'économistes, plus de personnes autour de la table. Mais on peut se demander si aujourd'hui, ce ne sont pas les conséquences de ce relèvement des taux qui fait que bah, cet objectif de croissance, quelqu'un l'a perdu pendant la route. Et c'est bien dommage de ne pas se souvenir quand même quel est l'objectif numéro un. De même, pour les gouvernements, peut-être pour des considérations électorales court-termistes, a-t-on oublié les objectifs à long terme ? On peut se demander effectivement si le vote du Brexit, et il a été très bien expliqué, je crois, dans le débat précédent, n'était pas finalement des objectifs plus politiques, politiciennes, que des objectifs économiques, et de redonner ou d'essayer de donner une perspective aux citoyens britanniques. De toute évidence, ça a totalement échoué. Mais justement, parfois, les gouvernements oublient à qui ils s'adressent et oublient de donner de la perspective, ce qui, in fine, a montré l'écart considérable qui s'est creusé entre le citoyen et entre les gouvernements, et je ne vous parle pas des spécialistes, des banques centrales. Et là aussi, on a essayé de rééquilibrer le pouvoir décisionnel entre les banques centrales, où effectivement, là aussi, j'ai dit, il y a eu plusieurs vies. Le pouvoir, effectivement, s'est étendu, c'est vrai, des banques centrales. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'on peut imaginer que les perspectives à long terme, le vrai projet, les décisions économiques soient dans les mains des banques centrales? Non. Mais est-ce que l'on peut aussi, et je suis désolé, je pose beaucoup de questions, se demander si finalement ces deux pôles de décideurs économiques, les gouvernements d'un côté et les banques centrales de l'autre, travaillent bien ensemble? Est-ce que les décisions sont prises au bon niveau pour produire les effets suffisants? Et enfin, je reviens sur un thème qui pour moi est important, le thème de la communication, et j'en suis désolé, mais très récemment, sur le discours de Janet Yellen, honnêtement, je suppose être un professionnel de la finance, je ne comprends plus grand-chose. Alors j'imagine au niveau du citoyen qui, lui, ne comprend plus rien. Alors je vais m'arrêter là parce qu'on m'a mis stop, stop, stop. Donc, mais je répondrai volontiers aux questions qui viendront. Justement, comme je vous ai promis un débat interactif, après ces premières présentations, je voulais susciter vos commentaires et vos questions dans la salle. Ce que vous inspire les souris, les hérissons, les renards, le maraîcher. Voilà, donc si vous voulez la parole, n'hésitez pas, notre panel est là pour y répondre. Est-ce que quelqu'un a une petite curiosité? Ou est-ce qu'on continue et on vous redonne la parole après, monsieur? Je voudrais savoir pourquoi nous, en français, sommes-nous aussi éloignés, ou si peu intéressés, ou si peu avertis des problèmes économiques. Je trouve qu'en France, il y a une inculture, si je puis dire, donc des modes de fonctionnement et de l'économie en général. Alors là, la politique, on est passionné. Au café du coin, on en parle sans arrêt. Mais des décisions économiques, des perspectives économiques, ça ne fait pas partie des débats du quotidien des Français. Est-ce que d'abord, nous sommes une singularité vraiment en Europe, ou alors il y a des explications que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît? Alors, je crois que Pierre Jacquet va commencer par vous donner une petite réponse. C'est un vrai enjeu, c'est une vraie question. Je pense que c'est en effet une excellente question, un sujet très, très important. Pour moi, alors il y a sûrement plusieurs raisons. Il y a la raison du technicisme de l'approche économique, qui est en fait une approche analytique, scientifique, fondée sur des approches modélisées, assez développées. Ça, c'est quelque chose qui se partage difficilement avec l'opinion publique en général. Et je crois qu'il y a, c'est une science technique, mais en même temps, il y a eu technicisation en plus de cette science. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le discours économique est essentiellement technique. Et on perd de vue qu'il y a des hypothèses, qu'il y a des résultats, et que derrière, il y a un jeu de valeurs. Et je pense que l'économie serait beaucoup plus intéressante pour l'opinion publique si on revenait à une forme d'économie politique qui était en général à l'œuvre au XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans lequel l'économie était beaucoup plus dans le débat public en tant que méthode de raisonnement que ce n'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, cette méthode de raisonnement passe essentiellement par des outils techniques. Or, il y a d'autres façons d'expliquer les mécanismes économiques. La deuxième raison, puis je m'arrêterai là, c'est l'éducation, le système éducatif. Regardez les programmes d'économie en seconde. Ce n'est pas du tout des programmes qui vous expliquent des mécanismes.
ce sont des quantités de données sur l'économie sociale que l'élève doit ingurgiter sans trop savoir comment ça marche. Pour moi, c'est que ça rend l'économie extraordinairement difficile à apprendre. Et ça, c'est une différence entre, par exemple, la France et les États-Unis. Un manuel d'économie aux États-Unis va mettre l'accent sur des mécanismes, va les simplifier au maximum, et un étudiant saura comment fonctionnent les marchés. C'est pas ce qu'on apprend, en tout cas en première année ou en seconde année même, dans les lycées ou collèges français. Mesdames, vous vouliez éventuellement rajouter, oui. Your question is very much linked to the previous question. It's not only the French citizen, but it's also the Greek citizen, the UK citizen, and the question is how do you empower this citizen to be able to participate effectively? To do so, we need to understand public policy. And the way the average citizen and the average technician and economist does not understand the public policy process. For me, the public policy is not a machine-like process where you have inputs and outputs. It's a deeply political process, which you need to understand, and it tests, and I will come back to that, the moral grounds of all the stakeholders. Now, five questions which we need to answer, and I hope when I'm given the floor, I will answer. Who sets the agenda? Who guides and shapes the process? Who monitors the outcomes, who evaluates the outcomes, and who assesses the impact? Now, if we understand this process and we evaluate it properly, and the citizen can participate in all these stages, then we can empower them. So, when I'm given the floor, I will guide you through this. Mais n'hésitez pas à y répondre si vous voulez le faire maintenant, il n'y a aucun problème. Okay. So we move. Yeah, we move. All right. We move. I don't want to no, take. No, no. Okay. Il n'y a pas de problème. Now, I said that the political public policy is an art and a science, but it's a deeply political process. Why? You have many different stakeholders. First of all, who sets the agenda? Supposedly the policymaker. But what type of policymaker we have? In trying to categorize them, I've come to the conclusion that we have three types of policymakers. One whom I call the one who is looking after his or her own interest, political survival, chance, maximizing the chance of re-election. A second type, very different, policymaker, who is the ideologue, Mr. Varoufakis or Mr. Schäuble. Grand idea. The success of policy is to implement the idea, whatever that idea is. And a third type of policymaker, whom I would call the altruist, who wants to leave an existential imprint on history in terms of doing good. All right? So depending on the measures that he or she chooses depends very much on the character of the policymaker. Who are the other stakeholders? Pressure groups. Very organized pressure groups which move directly or indirectly. Directly, legally or illegally. All right? Legally through influencing the legislative process. And illegally through bribing or whatever. So you have openly, such as the United States, behind closed doors, as in Europe. So you have lobbying groups and pressure groups which try to capture the political public policy process. Third group, funding institutions and supervising entities, regulators. The funding institution, if it is EU Commission, through structural funds, what do they care about? Absorption of funds. Or keeping their position in the bureaucracy of the European Commission. Supervisors, SSM, in the European Central Bank, DG Competition in the Commission, is basically to institutionalize the policy process to appear effectiveness for them means playing by the rules.
making sure that the rules are implemented. Fourth stakeholder, the bureaucracy, both domestic bureaucracy and at the EU level. And this is the bureaucratization of public policy, trying and see to see that actually outcomes do not rock their relative position in the bureaucracy. And finally, social groups, coming back to the citizen, who are trying to maximize net gains or minimize risks, not to speak of the future generation. So if we think about public policy as a process where multiple stakeholders are involved, to answer your question and his question, we really need to see what might be the ways in which the average citizen can enhance his bargaining power in terms of setting the agenda, in terms of monitoring the process, in terms of naming and shaming those with deviant behavior in that process, and who evaluates impact and outcomes. So I will stop there and come back. Alors, est-ce que cette présentation suscite de nouvelles réflexions? Vous voyez, monsieur, une question, ce que ça peut entraîner. Nouvelles réflexions, on continue? Allez-y. Non, moi, je voulais aussi revenir quand même sur votre question. Je reviens toujours à mon problème de communication. Alors, ça n'est pas qu'un problème de communication, bien sûr, mais aujourd'hui, pour faire passer des idées, d'abord, il en faut peu, des idées claires, convaincante, si vous expliquez effectivement aux citoyens que demain, parce que vous allez prendre une, deux, trois mesures, pas plus, effectivement, ça va aboutir à la création d'emplois, à réduire les inégalités, et ça n'est pas qu'un discours, c'est important, on le voit dans tous les pays dans le monde aujourd'hui. Alors là, je pense que c'est un message qui peut passer. Mais pour revenir malheureusement à une situation franco-française où vous avez des politiques du même parti qui partent dans tous les sens, avec des idées différentes et qui n'ont pas un discours commun, comment voulez-vous convaincre? C'est totalement impossible aujourd'hui. Vous avez aussi besoin d'un discours commun, appuyé en cela aussi par tous les moyens de communication, qui là aussi, il me semble, partent dans tous les sens. Donc aujourd'hui, vous aboutissez à un discours totalement confus et à cet écart qui s'est creusé et qui est très dangereux entre aujourd'hui le citoyen et les politiques et la souveraineté qui n'est plus reconnue par les différents peuples. Et ça, on le retrouve dans tous les pays, la preuve, le résultat des élections. Et je ne pense pas aux élections françaises, bien sûr, mais à d'autres élections. Pierre Jacquet. Oui, je voulais poser une question à Luca, en fait, oui. Et poursuivre un petit peu son analyse, parce qu'elle a classifié les décideurs en plusieurs catégories. Mais je pense, et c'est une partie du problème, qu'on peut avoir la même catégorisation des experts. Il y a des experts qui sont scientifiques neutres, et il y en a d'autres qui poursuivent des idéologies au service, d'ailleurs, des décideurs qui ont cette idéologie, parce que les experts aiment servir le pouvoir. Et donc, du coup, comme on est dans un système où l'opinion publique a besoin de se reposer sur des formes d'expertise pour former son propre jugement, je ne vois pas où se trouve la solution. Et je crois que la solution ne peut pas être simplement d'une meilleure information, parce que cette information est toujours biaisée. I don't want to take Joe's... No, but we have... Okay. You're absolutely right. The economists and the political scientists fall in the same categories. And actually, there is matching. The public policy... policymakers choose the economists and the experts who want to hear, and vice versa. And also the media, which we have not heard about, which is a very specific lobby group, mm-hmm. getting funding from banks and from the political process, exchanging favors, also show the economists that they want to on public television, and the politicians they want to. And having been a minister in my own country and having the traumatic experience of these past 6 years from very different positions, I can tell you that the media is extremely captured. And so the information we get as a citizen is many a times actually influenced.
So the point is, can we break this vicious circle? My view is yes. Yes, absolutely. And the way to do it, I don't want to come to the conclusion and give it to you, but we need independent public policy observatories. And we need them at the level of the university, we need them at the level of the municipalities, we need them at the level of ministries, we need them at the level of the commission. Allow me to say one thing. Isn't it problematic that whereas the IMF has an autonomous evaluating unit for evaluating its policies, the whole European construction, we do not have any independent monitoring agency telling us independently what went wrong or what went well in, let's say, in the standby programs that Greece, Ireland, Portugal, Cyprus followed. There is no independent evaluation. So on that note, I will give it to Jo because that's her job. Thanks, Luca. Marie. Oui, thanks. Nous allons passer de l'évaluation à la, à l'élaboration des politiques publiques avec avec vous. Yes. Oui. I'm going to sort of take that challenge and tell you a little bit of a story. In 2006, actually, a very similar discussion took place, and it was really to understand, and Pierre was part of that discussion to really it looked at development assistance just across the world, and all of these bilateral and multilateral actors came together and said, we're putting in billions of dollars into multilateral, into development assistance, but do we know whether it works? And do we know whether it works? And how much does it work? And who can tell us? And it's exactly the problem that Luca is presenting to us. Do we have an agency or do we have an organization that can really help us to answer this question in an unbiased way? As a side story, of course, the agency that I represent was created, the International Initiative for Impact Evaluation. But the important part of that was the technology and the methodology that we require to answer some of the big questions around in the world today. And I come from a developing country, so you know the big questions for me are related a lot to poverty, a lot to climate change, and a lot to the humanitarian crisis that we are facing today. We have, on one side, we have the evidence. We know that there is unbiased, good quality evidence that is exhaustive and that really stands on the shoulders of giants, giants such as, you know, this panel, that have really put in the resources, the money, and the energy into developing a lot of that evidence. But on the other side, and I'll quickly talk about, you know, just a couple of those examples, but on the other side, we also have a huge challenge. When I was looking at humanitarian assistance in 2014, and this is before a lot of the explosion occurred around the world, we, well, just from 2004 to 2014, $100 billion had been spent on humanitarian assistance. Did we know whether it was making a difference, and if it was making a difference, for whom and how much? The number of pieces of evidence that I could, or the number of studies or evaluations that I could call high quality evidence. So evidence that can help to relate the programs to whether it's changing or not, were less than 50, 50, for a $100 billion, more than a $100 billion portfolio. Another very quick example, governance and natural resources. This is a $330 billion resource just in Africa. So mining and forestry and river and hydrology in Africa only. Do we know if the governments in Africa started to look at natural gas and started to excavate and started to use that, do we know as to what works then for governing this well and how to get past the resource curse? We don't. There's zero evidence on what works in that area. So on one side, we have that challenge, exactly like the way Luca called it. But on the other side, we know a lot around things that actually do work.
So a couple of examples, yes. Humanitarian crisis. There's an excellent systematic review that I'm going to ask you all to go and look at. It's done by Shannon Ducey and Hannah Tappnitz from the Johns Hopkins schools that ask the question, in humanitarian crisis, if you really want to increase the condition of people, of displaced people, of migrants and of refugees, and that's just looking at hunger levels and nutrition, what can we do? Yeah, and there, you know, for policymakers, there are lots of choices. You can look at cash, you can just say, well, we'll come in, we'll help you out with cash, we'll give you housing, we'll give you food vouchers, we'll give you other conditional cash, etc. They actually come out, look at 108 studies, and this is exhaustive, and as of 2016, it's exhaustive because that's all they could call good evidence, and they found that, yes, cash works. Cash works, but for specific outcomes. And this is the other part that Kluka was talking about, which is you have to map the policy to the outcome that you're looking at. It works to increase nutrition levels, but not diversity. It helps to increase nutritional diversity, but not calorific intake. One other example is community-driven development. It's programs that have been used in post-conflict societies, where governments are pushing in tons and tons of money to really get people to come together in areas and societies that are post-conflict and that have been torn apart. But actually, if you look at community-driven development and what I also call social trust funds, in societies that are so torn apart, they don't work as a successful vehicle of increasing social cohesion. They just don't work. But what do they work for? They work to build social and public infrastructure. So again, we have to be really careful about the outcomes that we are seeking and the policies that we are putting out there. One last example, climate change. You know, on one side, it's been one of the biggest disasters in terms of what is evidence-informed policy, because we've had the evidence for it for a long period of time, and it's only now with COP21 that the world essentially has come together. But really, do we know as to what works to mitigate greenhouse gas emissions? No, we don't. Again, the Norwegian government, donors around the world have put in tons and tons of resources into, you know, reducing emissions from reduced degradation and deforestation, the also called RED Plus programs, or payment for ecosystem services, which is essentially giving money to people to just keep forests standing. Those programs just don't work because you're only bringing in people and forest lands that would have remained forested anyway. So they're really not being additional. And I think this is the big challenge of evidence. Can we really bring out evidence to say that policies are working over and above what we would have seen anyway? And I think that requires the methodology and the technology that Pierre talked about, but it also requires the engagement and the consultation and the bringing along of, you know, decision makers right from the beginning. And it's one of the things that we're trying to do with the media, with decision makers, get them involved in the generation of evidence right from the beginning. Because unless you can do that, you can't really spring up an entire sort of piece of evidence at the end and say, hey, I want to tell you, well, cash works. You have to involve them right from the beginning. Actually, the UK government has taken that policy on and has made it. DFID has essentially said cash will be a very, very big part of how they do humanitarian assistance. I'm going to stop. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'ai à côté de moi Jean-Michel Sick, qui a très envie de répondre. Jean-Michel, quand même, travaille pour un... Ouais. Travaille pour SNP, donc, qui évalue quelque part, d'une certaine manière, et d'un point de vue, les politiques publiques. Plutôt moins leur effet sur des variables précises, voilà, qui sont par exemple l'endettement. Donc ce serait présomptueux de dire qu'on évalue l'ensemble d'une politique économique. C'est d'un point de vue. Mais selon un certain point de vue, et
je suis un peu, d'une part, un peu surpris par ce que vient de dire Joe, qui me paraît quand même un peu pessimiste, mais à discuter. D'autre part, revenir sur ce les, aussi et rebondir sur les questions qui ont été posées précédemment sur l'interaction, encore une fois, entre les économistes et les politiques. Et sur le fait que, effectivement, dans beaucoup de cas, la connaissance par le public, par l'opinion publique, etc., de l'économie, des lois de l'économie, etc., est relativement faible ou insuffisante. Ce qui me... Et c'est pas sans rapport avec ce qui vient d'être dit sur la façon d'évaluer aussi les politiques économiques, leur impact, etc., leur définition, leurs outils. Pour en rester très simplement et très modestement à la France, il me semble que nous avons en France un certain nombre d'instituts et de centres de recherche qui sont en général publics et qui présentent des analyses extrêmement concrètes de problèmes précis et font des recommandations extrêmement précises également. Si vous prenez par exemple un exemple aussi simple que le Centre d'analyse économique, qui dépend du Premier ministre quant à son financement, qui est dirigé par quelqu'un qui animait le précédent débat, Agnès Benassi-Kéré, et qui publie très régulièrement un certain nombre de contributions au débat, tout à fait lisibles, qui sont consultables absolument partout, et qui font des recommandations également très précises sur des questions comme la politique du logement, par exemple, ou la politique de santé publique, enfin, des choses très concrètes. Dans 9 cas sur 10, ces recommandations sont totalement ignorées par les politiques. Bon. Et effectivement, encore une fois, c'est... Alors, autant je dirais que je ne suis pas, je suis très sceptique quant à l'idée qu'on pourrait avoir un centre d'évaluation neutre des politiques économiques et de leurs effets. Parce que je pense que la neutralité en économie, ça n'existe pas. Il faut pas se cacher derrière une allumette. Il y a forcément un biais et c'est normal. C'est plutôt une bonne chose. Et quand vous regardez encore une fois ces centres que nous avons en France, qui fonctionnent depuis longtemps, vous voyez qu'ils ont, pour certains d'entre eux, un certain biais tout à fait respectable et intéressant. Vous avez, par exemple, l'OFCE, hein, l'Office français des conjonctures économiques, c'est plutôt keynésien, on va dire. Ils produisent beaucoup d'analyses très précises, ils font des recommandations, ils essayent de nourrir le débat. Bon, vous avez par ailleurs un institut comme Rexecode, par exemple, qui, encore une fois, je suis très franco-français, je m'en excuse, mais c'est pour montrer que ça existe. C'est pas quelque chose qui est désirable, ça existe. Par contre, ce que l'on ne demande jamais, et ça, je pense que les médias, là, ont un rôle à jouer, vraiment, c'est ce qu'on demande jamais aux politiques, c'est pourquoi, par exemple, monsieur le Premier ministre, vous avez 5 recommandations, là, sur la politique de logement qui ont été faites par un organisme qui dépend de vous et de vos services. Si tant est que vous ayez lu ces recommandations, pourquoi les avez-vous ignorées complètement? Personne ne lui demande ça. Je ne pense pas au Premier ministre actuel, mais au Premier ministre au pluriel, parce que ce n'est pas nouveau. Donc, alors après, effectivement, vous avez un discours politique qui vous explique, un peu comme l'avait dit malheureusement quelqu'un il y a un certain temps, on a tout sur le chômage, on a tout essayé. Bon, c'était une parole malheureuse, mais... ça voulait dire, en quelque sorte, on ne m'a pas proposé autre chose. J'ai fait ce qui était dans mon domaine, mais je n'ai rien d'autre. Je ne sais pas quoi faire, en gros, d'autre. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des recommandations. Il y a des économistes renards qui proposent effectivement un certain nombre de choses qui méritent d'être discutées, voire même essayées. Oui, Luca Catelli, ça vous fait réagir, tout ça. Yeah. Oui. Well, I agree up to a certain extent. The centers that exist in all our countries are centers which make recommendation for the design of policy. Okay? So they make recommendations, and you are absolutely right that some of these are followed, some of these are not followed, but probably the average citizen does not even know what has been proposed and what were the alternatives. But the citizen, so as that he or she feels legitimized and involved, needs to see how the agenda setting, whatever this is, links with the outcome, and what is it for him or her. So what is missing, in my view,
is the monitoring of the intermediate process, which is what Joe was talking about, namely from the design to the legislative process, because many of the measures, even the best measure, even the best recommendation that could have been adopted through the legislative process might have changed and something completely different could have come. Through the implementation process, something completely different could come out. And actually, in emerging economies, there is a lot of evidence that in emerging economies, developing countries, but many of our own countries as well, only a fraction of legislated policy measures are actually implemented. In my country, we did a study, 47% of laws passed over the last X years have not been implemented because you have not had the issuance of the actual decrees to implement it. But people don't know that, and so therefore they don't know whom to blame, right? So there is no monitoring of the implementation process. There is no monitoring of outcomes in terms of the funds used, for example, right? You measure usually the KPI, as we say that exists, is the absorption rate of, let's say, structural funds. But whether these were moved, the absorption rate of 90% was because we transferred funds from one activity to the other or not, is not measured, is not known. And finally, we don't have, unfortunately, as far as I know, in Europe, in our own countries, institutes or observatories, as I would call, which measure impact over time, because measuring impact is much longer than the political cycle. The political cycle is a four-year cycle. To measure an impact for some reforms, you need 5 years, 10 years. So if we don't have a way, if there is no memory in the system, and there is no evaluation, there is no progress. So I would say, yes, I would agree with you that there is a lot in the input side, but there is very little on what the citizen cares about, which is the outcome side. And I think there are ways that we can overcome this. And allow me one more thing, because Joe talked about the development assistance world, but let me bring exactly her point to our present-day Europe, France, Greece, or whatever. Austerity measures, okay? Or policy mix, whether you're talking about labor market reform here or fiscal consolidation in Greece and so on. You measure it relative to what? Relative to whether a surplus in fiscal surplus was achieved, whether creditors were repaid, whether poverty has increased, whether inequality has increased, etc. She said something which is exactly what I wanted to say. Unless the agenda corresponds to an expected, publicly known target, us as citizens are completely weak and cannot follow this process. And I think this is actually the bureaucratization of policy making is what has created the impasse. And we see decisions such as Brexit, such as the rise of kind of extreme forces in our countries. Merci beaucoup. Jo, vous vouliez réagir. Je vous ai vu réagir sur la différence entre le temps de l'économie et donc du peuple et le temps du politique qui ne se rencontre pas. Vous vouliez nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, effectivement, parce que dans mon introduction, j'avais parlé du court terme et du long terme. Effectivement, ça se rejoint. Alors, je vais contredire peut-être ce qui a été dit, mais effectivement, d'avoir peut-être un comité des sages qui, justement, puisse suivre dans le temps, qui soit apolitique et qui n'ait pas le même horizon et qui permette, effectivement, de mesurer les effets de certaines mesures dites structurelles. Je crois que plus personne ne comprend ce que ça veut dire, mais il y a quand même des mesures importantes qui ont été prises en Europe, et je reviendrai dessus dans ma conclusion. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel. Je pense que le discours, non, c'est peut-être pas Jean-Michel d'ailleurs, de Joe, est au contraire très positif de savoir, finalement, on nous dit toujours que le cash, que les financements qui ont été donnés n'ont pas produit d'effet dans certains pays émergents. Ben, je suis content de savoir que ça a eu des effets positifs, notamment sur la nutrition. Et ça, c'est des choses importantes et qu'on ne le reflète pas beaucoup.
Alors, avant de nous diriger vers notre conclusion, il y a des mains dans la salle qui se lèvent. Alors, on va peut-être prendre une ou deux ou trois observations. Qui a le micro ? Allez-y, monsieur. Bonjour. Bonjour. Didier Ollo. Je voulais rebondir sur les propos de Joe et particulièrement à propos du climate change. Vous faites l'hypothèse que la Norvège, dans son programme contre le climate change, a pour objet d'effectivement réduire l'émission de CO2. C'est une hypothèse qui est fausse au départ. La richesse de la Norvège est basée sur les hydrocarbures. Et donc le programme de lutte contre le climate change a pour but de donner bonne conscience aux Norvégiens, mais surtout pas de réduire les émissions. Et c'est pour ça que la forêt équatoriale est un très bon sujet pour les Norvégiens, qui sont sensibles à la nature, mais surtout on ne fait rien d'efficace. Mais plus globalement, sur le climate change, les gens disent que l'Emission Trading Scheme est un échec. Pas du tout. L'Emission Trading Scheme, donc le marché du CO2, n'a jamais eu pour but de réduire les émissions de CO2. Il a pour but d'enrichir les traders de la City. Et de ce point de vue, c'est un succès plein et entier. Il a en plus permis à un certain nombre de fraudeurs de s'enrichir également. Donc, on a simplement conçu délibérément, dans ces deux cas, des politiques dont on savait très bien qu'elles n'avaient aucun effet sur l'objet officiel, mais qu'elles avaient un effet extrêmement puissant pour les lobbies qui ont proposé ces politiques. Monsieur, au milieu, allez-y, on va prendre deux ou trois questions. Jean-Yves Durance, Chambre de commerce. Deux, trois réflexions. Vous évoquiez tout à l'heure le problème du logement. Je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Nous avions constaté que sur le territoire de l'Île-de-France, plutôt de la métropole, il y avait un déficit très grave, en particulier en logement locatif de type intermédiaire, c'est-à-dire entre le logement social et le logement libre, avec une rupture importante du marché. J'en ai discuté un jour avec un des parlementaires de la région, particulièrement bien placé dans le domaine en particulier financier et fiscal, et en lui disant, mais je ne comprends pas, l'aide fiscale au logement a été répandue sur tout le territoire, alors que c'est un problème qui est fondamentalement sur la métropole parisienne, un peu dans le pays de Gex, un peu sur la Côte d'Azur, et c'est à peu près tout. Et il m'a répondu, écoutez, on ne peut rien faire d'autre, parce que dans le rapport Paris-Région, il y a eu un tel conflit, nous ne pouvions rien donner en échange, donc il a bien fallu que ce soit une politique nationale. Derrière ma question, ma remarque, un sujet que je n'ai pas vu aborder, mais je me demande si nous n'avons pas de plus en plus un étirement, pour ne pas dire une rupture, entre des politiques qui ne sont que nationales et des évolutions territoriales, et en particulier des grandes villes et des métropoles. Et que ceci crée une différenciation parce que ces politiques sont des politiques qui sont vues à un échelon national, voire à un échelon multinational, et qui sont déconnectées du terrain. Même la décentralisation que nous constatons aujourd'hui en France avec le pouvoir économique conféré aux régions ne change pas fondamentalement ça, parce que c'est la nature même des terrains sur lesquels on l'applique. Et dernière remarque ou dernière question, quand vous regardez bien, toutes les ressources monétaires utilisées pour les politiques publiques viennent toutes, en fait, de l'activité économique. Les pouvoirs publics donnent d'autres externalités, mais c'est l'activité économique qui apporte les ressources monétaires. Qui vote ? Des citoyens, c'est-à-dire des citoyens qui sont des résidents et dont la préoccupation et la préoccupation de leur politique est très directement liée à l'aspect de la résidence et pas à l'aspect de l'activité économique. Et mon sentiment est que ceci est un frein au développement de l'activité économique. Merci pour vos observations. Et un jeune homme au fond, là-bas. Alors, deux jeunes hommes. Si quelqu'un au fond à gauche qui a demandé depuis très longtemps. Bonjour. Ma question s'adresse à monsieur Jean-Michel Six. Vous avez parlé de on vous entend pas. Vous avez parlé de politique volontariste dans les pays en développement. Vous savez très bien qu'on a bâti un éventail de contraintes pour les pays en développement en matière de politique économique, ne serait-ce qu'à travers les règles de l'OMC. Impossible de pratiquer des politiques de substitution à l'importation, interdiction de subventionner les entreprises nationales. Et bref, aujourd'hui, pour un pays en développement, il est impossible d'avoir une
politiques industrielles type Chine, Singapour ou Corée du Sud. Alors, dans ce contexte-là, vous pensez qu'une politique volontariste est toujours possible et opérante? Merci. Et enfin, au fond à gauche. Merci. Oui, moi, je voudrais revenir sur la relation entre les économistes et les officines techniques et le politique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs champs. Le champ de la recherche et du savoir qui essaye de bouger les cadres, d'innover. Le champ des experts et des officines techniques qui essayent de faire l'état de l'art à un moment donné. Le champ de l'administration qui a sa propre inertie et souvent ce n'est pas assez intégré par les autres acteurs pour faire des propositions. Et le champ du politique qui, lui, doit mettre ça dans un agenda politique avec parfois des gains politiques à trouver sur le court terme, mais aussi qui est dépendant de sa capacité à expliquer à l'opinion, donc de la qualité de l'espace délibératif. Et moi, j'ai l'impression qu'en France particulièrement, on a de très bons spécialistes dans chaque champ, mais qu'on manque de passeurs entre les différents champs. Voilà, c'est ce qui m'a été donné d'observer un peu dans ma pratique. Sinon, sur l'autre aspect, j'ai l'impression que pour venir aussi dans ce contexte précis de ce quinquennat, cet exécutif, je me demande s'il n'y a pas eu au départ une espèce de credo un peu trop appuyé sur le cycle mécanique des cycles économiques, et finalement les processus objectifs, et l'espoir un peu de passer entre les gouttes, et d'attendre un retour mécanique de la conjoncture, et d'où de ne pas prendre les politiques à la mesure. Bon, mais peut-être les politiques à la mesure n'étaient pas à cette échelle, et on retombe sur l'imbroglio de la relation franco-allemande pour des politiques contracycliques et d'investissement de l'avenir. Voilà. Mais moi, j'ai un peu cette impression. Merci à tous pour vos observations, vos questions. Si notre panel veut y répondre, vous avez à peu près une minute chacun. Allez-y. Oui, très très bonne question sur la politique volontariste possible et l'OMC. En particulier, bon, je suis pas en désaccord. C'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes, qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui pèsent sur ces pays et qui peuvent freiner parfois la mise en place de politiques volontaristes. Je suis quand même pas entièrement convaincu non plus. Je pense que quand on regarde, en particulier en Asie, les politiques qui sont menées, les restrictions douanières, les politiques de protection qui sont encore en place, il me semble quand même qu'ils ont conserver, bon an mal an, une certaine latitude, malgré tout. Par contre, là où, effectivement, ces politiques volontaristes peuvent parfois se heurter à des obstacles sur lesquels ils ont très très peu d'influence, c'est dans l'absence de concertation au niveau des politiques monétaires. On l'a très très bien vu dans les dernières années, et en particulier en 2013, au moment de ce qui était appelé le taper tantrum, c'est-à-dire au moment où la Réserve fédérale américaine avait annoncé qu'ils envisageaient d'augmenter les taux d'intérêt. À cette époque, ça avait provoqué une très très violente réaction sur les marchés internationaux, et en particulier auprès des émergents, avec une fuite des capitaux massive, retournant vers les États-Unis, en anticipation de la hausse des taux américains qui, du coup, ne s'est pas produite. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la difficulté à lire les déclarations de la Réserve fédérale aujourd'hui. Mais là, vous voyez bien que les pays émergents sont complètement pris entre le marteau et l'enclume, et qu'il y a effectivement une absence très forte de concertation qui freine et qui peut avoir un impact tout à fait désastreux si vous prenez par exemple un pays qu'on connaît un petit peu, enfin moi je prétends pas connaître tout, mais un pays comme l'Afrique du Sud par exemple, qui est typiquement, bon, qui a fait beaucoup d'erreurs de politique, mais qui est typiquement complètement la victime, une économie victime des changements de politique monétaire qui peuvent avoir lieu dans les pays avancés et qui provoquent flux et reflux des mouvements de capitaux, et ça c'est très pénalisant évidemment pour les économies domestiques. Merci. Joe Puri, vous souhaitiez répondre. Thank you, Marie. So I'm going to start with, actually, Jean-Michel. I did not mean to be pessimistic at all. I actually think that we know a lot. It's just, and this is probably, I think, what Pierre was also talking about, that on one side we have
we know a lot about what works, but on the other side, we know that we aren't using that evidence to inform our policies. So clearly, there's a chasm in between, this missing middle, that, you know, that there is well-intentioned policy, because it's using evidence, on at least for some of it. And then there are well-intentioned people, you and I, who really want to do the best thing. Let's assume that we are all, you know, good, noble people. But in the middle, there is this, you know, this unholy mess, which is essentially about, well, how do you get people to implement in the right way? And I think that's really the crux of the problem. So on the sides that we know, for example, that graduating, you know, what works for ultra poverty? So people who are extremely poor, what works for them? Excellent, excellent studies that have been done out there that if you combine, you know, consumption assistance with asset assistance and training and business training, those things work. And this has been done in 14 countries, really good evidence and a very high bar for evidence. We know that works. We know that, yes, people should be drinking clean water, but of course, in a lot of developing countries, that just doesn't work, even if you give people chlorine tablets to put into their water and to drink it, and to let them know that, yes, of course, clean water should be drunk. But this is a big implementation problem. And for implementation, we need a very different sort of evidence, but clearly the demand for evidence needs to be there. And that's where you come in, yeah? So unless you're asking your governments, your people, your organizations to be accountable and to be implementing in ways that are effective, this is not going to work. Thanks. Merci. Nous nous rapprochons de la fin de notre débat. C'est donc des phrases de conclusion que vont nous donner maintenant les membres de notre panel. Discussion très riche, très variée. On comprend bien le sujet et la complexité de l'efficacité d'une politique économique. Pierre Jacquet, est-ce que vous voulez nous faire une brève conclusion ? Merci. Oui, brève, en quatre points peut-être. Oui. Le premier, c'est l'idée peut-être d'illusion de la connaissance, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance n'est jamais complète. Il y a toujours des doutes qui subsistent. Et ces doutes sont évidemment utilisés par ceux qui considèrent que la connaissance produite ne correspond pas à l'idéologie qu'ils portent. Prenez le réchauffement climatique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Cette connaissance est encore remise en question par certains. Et tout simplement parce qu'elle n'est pas scientifiquement complète. Et elle ne le sera jamais, probablement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est aussi la raison pour laquelle les recommandations sont parfois enterrées, mises dans un tiroir et non utilisées. J'étais très content que Jean-Michel Sassy rappelle la qualité des travaux du CAE dans son intervention. Et il mentionnait que les recommandations faites étaient mises dans un tiroir. Je crois qu'il y a deux raisons pour cela quand c'est le cas. La première, c'est que les recommandations en question ne correspondent pas à l'agenda politique des dirigeants, et donc ils s'empressent de les oublier. Et puis la seconde, c'est qu'on a peut-être tendance, et ce que je dis n'est pas pour le CAE, qui fait d'ailleurs un travail absolument remarquable, je suis totalement Jean-Michel Six là-dessus, mais quand on est dans une salle, dans un colloque à Aix ou ailleurs, on a tendance à discuter sur ce qu'il faudrait faire. Mais la question fondamentale n'est pas ce qu'il faudrait faire, c'est un peu ce que Luca nous a dit, c'est comment on le fait. Quel est le processus qui amène ce qu'il faudrait faire à devenir ce que l'on fait. Et ça, c'est très rarement étudié, c'est beaucoup plus difficile. Il est plus facile, même si c'est parfois compliqué, de s'entendre sur ce qu'il faudrait faire que sur comment on le fait. Et je crois que ça, c'est un point important. Donc ce que j'appelais l'illusion, c'est peut-être un mauvais mot, mais illusion de la connaissance, dans la mesure où on est dans un monde où la connaissance ne sera jamais parfaite. Et la façon de s'en tirer, c'est par le débat informé. C'est-à-dire cette connaissance, elle est quand même là, sur le tapis, et elle permet d'avoir un débat informé et citoyen. C'est ce qui s'est passé sur le réchauffement climatique. Et dans la durée, qui n'est rien à l'échelle de l'histoire, cette durée, ben, il se passe des choses. Il y a quand même des transformations. Et ça, je crois que c'est un message positif et encourageant. Deuxième point, quelle que soit l'efficacité, il y a des sujets sur lesquels il faudra toujours mettre de l'argent. L'humanitaire, par exemple. Et ça, c'est d'une certaine façon, on pourrait presque dire que l'efficacité n'est pas l'objectif premier.
C'est important de se poser la question, puisqu'on y met de l'argent autant que ce soit efficace. Mais même quand ce n'est pas efficace, on est obligé, pour des raisons éthiques, pour des raisons politiques, pour des raisons morales, tout ce que vous voulez. Mais il y a des sujets comme cela, la réduction de la pauvreté, l'humanitaire, la réduction du chômage. On pourrait se dire, mais ce n'est pas efficace, on a mis plein d'argent, le chômage est toujours là. Donc arrêtons de mettre de l'argent. Ce n'est pas possible de raisonner comme cela. Donc il y a des sujets qui sont inévitables et où le souci de l'efficacité vient en plus. C'est jamais très bon de venir en plus. Hein, c'est quelque... Et donc on doit se battre pour mettre en avant cet impératif d'efficacité. Troisième conclusion, on a parlé beaucoup du rôle de la politique publique comme étant un rôle de catalyseur. C'est toujours beaucoup plus dur de mesurer le rôle d'un catalyseur. C'est quelque chose qui n'est pas l'essentiel de l'action. L'essentiel de l'action sera par les autres agents de l'économie, le secteur privé, les ONG, etc. Et à partir du moment où la politique publique met en place un cadre, toute l'action repose sur celle des acteurs au sein de ce cadre. Et donc mesurer l'efficacité du cadre est évidemment beaucoup plus difficile dans ce cas. Et enfin, je voudrais terminer sur l'idée d'une tension, et j'en ai parlé avec Joe Pourri récemment, entre la mesure de l'efficacité comme étant une façon d'aider les politiques publiques à rendre des comptes, ce qui est un aspect important, mais à ce moment-là, il faut que le travail soit indépendant, et il faut des unités d'évaluation indépendantes, et puis le rôle de l'efficacité comme étant une mesure de qualité et d'apprentissage. Donc un décideur a besoin de savoir si ce qu'il fait fonctionne et comment cela fonctionne, parce que ça lui permet ensuite d'améliorer la qualité des politiques publiques. Eh bien, lorsqu'on utilise l'efficacité comme étant une mesure de consistant à rendre des comptes, ce n'est pas du tout la même chose que l'apprentissage. Et si on veut de l'apprentissage, le learning by doing, à ce moment-là, il ne faut plus tellement des évaluations qui soient indépendantes. Et on a ce paradoxe en permanence, cette tension en permanence, que les évaluations par des acteurs indépendants sont ensuite rejetées par les principaux acteurs, précisément parce qu'elles sont indépendantes, elles ne sont pas connectées aux enjeux des décideurs. Et donc on a besoin de travailler sur les deux aspects. Et cet apprentissage, on en parlait pour les pays en développement, on leur met des contraintes, et oui, ça les empêche en quelque sorte d'apprendre par l'erreur. Et ça a été une façon fondamentale d'apprentissage pour nous. Si la France a fini par accepter de réduire l'inflation, c'est bien parce qu'elle a vécu pendant des décennies où l'inflation était forte et elle en a appris les coûts. Et je crois qu'on est en train d'essayer d'empêcher pas mal de pays en développement d'apprendre de ces erreurs parce qu'on leur dit « nous, on sait que c'est mauvais et donc n'entrez pas dans ces politiques-là ». Et je crois que ça, c'est quelque chose qui empêche l'apprentissage ou la qualité de l'apprentissage. Merci. Merci à tous, merci à nos panélistes, merci à vous d'avoir assisté et participé à ce débat. Et on vous retrouve l'année prochaine.